On va se re-shielder. Le GOAT. Le GOAT, le GOAT, le GOAT du GOAT. Vraiment. Yap les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nassau Grand Cross. Et oui, aujourd'hui, fameux jour où nous allons tester les archanges. Alors que ce soit Sariel ou Tarmiel, hein, vous l'aurez compris. Via les invocations, j'ai quand même réussi à avoir les deux. D'ailleurs, merci encore pour le live d'hier. Vous avez été très nombreux à être présents. Donc franchement, c'était grave cool. Et on a réussi à avoir un petit doublon Sariel. Mais ça, c'était vraiment qu'à la garantie. Donc voilà, du coup, j'ai juste Sariel SP2. Je suis un tout petit poil déçu. Franchement, j'aurais aimé en avoir plus. Mais bon, c'est vrai qu'avec le taux de drop, c'est assez compliqué. Mais ça vaut le coup, vraiment, c'est grave cool. Donc du coup, petit test. Alors j'aurais pas les 204 CC. Voilà, tout simplement parce que Kyo, j'ai pas skin dessus. Et Despire, je l'ai pas non plus up à ce point là. Là il y a juste les deux mastodontes à côté qui sont pas mal. Donc bien évidemment, niveau stuff. Bon, en vrai il manque encore sur Tarmiel. Donc du coup on est parti en 4 dégâts et dégâts crit. Bien évidemment, 4 attaques et 2 dégâts crit. Voilà, après niveau placement, on s'en fout hein. C'est du moins que vous faites la 4-2, ça reste pareil, voilà. Donc du coup, Sariel qui est actuellement à 45 4 CC, donc pareil, hein, juste SP2, pas de skin. Donc d'ici une semaine, je pense qu'on va pouvoir booster un petit peu tout ça. Donc franchement, on va avoir un bon petit Sariel. Tarmiel, bien évidemment, pour profiter de son ulti ou même, il me semble que ça doit être du passif. Voilà, réduit le PV max voilà, de tous les ennemis à hauteur de 200% de la défense du héros. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a 11K, c'est pas encore énorme. Faut savoir que j'ai pas eu le temps encore bien comme il faut augmenter tout ça, en fait, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai 4%, j'ai de la résistance, voilà, il y a juste ce petit set là qui est pas très bien up, mais une fois que ça sera monté, ça va être terrible. Vraiment, ça va être terrible. Vous allez déjà voir ce qu'on enlève in-game en HP sur les ennemis, c'est assez violent. Donc voilà, bien évidemment, triple dev sur Tarmiel, très important. Voilà, vous l'aurez compris. Donc du coup, c'est parti. Je vais prendre une petite bouffe def, parce que voilà, j'ai envie de booster tout ça. Voilà, tranquillement. Donc forcément, je n'aurai pas la grosse grosse CC, mais vous inquiétez pas, on va quand même bien s'en sortir. Allez, c'est parti. Ok, ouh, il y a du Sariel. Il y a du Sariel. 214 CC, forcément. Oh, j'espère qu'il joue pas avec une bouffe machin, parce que là, ça va être relou. Vraiment, ça va être relou. Par contre, si on survit là autour, vraiment, je pense que bah déjà, le Meliodas élevé, il n'existe plus. Je vais faire un switch comme ça, je pense. Regardez, n'empêche, je pense, niveau. Regardez, on enlève, avec Tarmiel, on enlève presque 30 HP. C'est énorme, hein. Vraiment, c'est énorme. Élevé, ça va être beaucoup de dégâts. Et merci Tarmiel, hein. Vraiment, et merci Tarmiel. Oh, Tarmiel, putain, qu'est-ce qu'on l'aime, lui, hein. Voilà, les gars, écoutez, il a quand même 4 buffs dans la tête, hein. On va pas se mentir. Voilà, on va faire ça. Je pense qu'il y en a un qui meurt. Et là, on a l'SP. Alors, pour que ça survive un peu, on va encore utiliser ça. Ok, 154K. Bye bye. Oh, la patate. La patate du rang 2, quoi. Ok. Et bien évidemment, regardez cette petite régène aux oignons. On est quasi revenu full life. Je tiens à dire que le mec, il avait plus de CC que nous, là. Ok. Mais non. Il met rien du tout. Tu mets rien du tout. Tu mets rien du tout. Tarmiel, la puissance. La tankiness est avec vous. En fait, il aurait pas dû laisser le tour. Dès le début, il aurait dû m'attaquer. Ok. Toujours un petit peu plus. Là, on est contre une team perfo. Je sais pas. Je sais pas trop quoi penser. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Attention. Ok, 155K. Oh, 62K. Est-ce que ça tombe ou pas? Allez, bro. Oh, putain. Yes. Yes, yes, yes. On a gagné, les gars. Hein, je vous le dis. Hein. Voilà, petit 132K. Allez, 105K. C'est S-win, hein, vraiment, hein. Bon bah voilà, hein, écoutez, au plaisir de vous avoir connu, monsieur. Vas-y, j'ai envie de refaire ça parce que c'est drôle.
Voir combien on met sur Guile. Ouh, 343k. Ouh, ouh, ça pique ça. Putain, 60 sur le Guile, hein. C'est pas rien, hein. A votre avis, là, on met combien avec la dernière, là? Ah, dommage. J'aurais bien aimé voir, mais... Ok, tranquille. Ok, donc pas de Sariel. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc là, il y a du LV. Oh là là. Bah, il est mort, hein. Il y en a un qui va tomber. Là, vous êtes prêts ou pas? Ça va être un carnage, hein, vraiment. Zabi. Zabi. Ok. Et voilà. Voilà. Bah, ils sont quasi tous low, hein. Ouf. Oh, la deuxième, là. Quand les rangs 2, celle-là, elle est incroyable. Bof. Moi, je serais lui, je live, hein. Je live, je live, je live. Putain, il a mis des Spears encore. Bien. En vrai, et 72k qui vient de partir, hein. En vrai, c'est abusé, ça. Et il crit bien, là. Il crit bien, son zèle. Voilà. Comme ça qu'on fait, nous. Youhou. Youhou. Peut-être un deuxième mort, hein. En vrai, peut-être un deuxième. Oh, bah oui. Ah oui, bah, excuse-moi, hein. J'ai pas fait exprès, hein. Ouh là 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 là. Ouais, j'étais pas sûr d'avoir plus de CC que lui, là, pour le coup, vu les persos qui sortent. Ah la vache, elle peut pas venir notre petite rang 2 là. Si dommage. On va faire ça. On va faire ça parce qu'en fait on tue LV, hein, y a pas de problème. Mais si on tue LV, après on se prend des tatanes de l'espace, quoi. Ouh. Ok. Termine la puissance, termine la puissance, termine la puissance ou pas? Oh merde, ça c'est pas cool. Termiel la puissance! Allez, Termiel, s'il te plaît, Termiel, fais du nous, du sale. Parce que là, faut se préparer, il y a des rangs 2-3 là qui vont partir. Là, ça peut être la manche d'avant. Ok, ça résiste. Ça résiste. Ça résiste. Ça résiste. Putain, j'adore Termiel. Vraiment, Termiel? The best! C'est votre best friend! Je vous le dis. Y a pas plus à dire en fait. On va faire ça et on va se re-shielder. Le goat. Le goat, le goat, le goat du goat. Vraiment. Punaise, les dégâts qu'on vient de mettre. J'aurais trop voulu mettre une rang 3, frérot. Ah, bon bah il a abandonné, hein. C'était sûr de toute façon. Ok, alors sur quoi on tombe? Ouh, il y a du Sariel de l'or. Ouh là là là, c'est là, là on joue plus stratégique. C'est... Ouais. Ouais. On va éviter de se booster de trop. On va laisser Kyo mettre cette petite stack, tu vois, dans le plus grand des calmes. Allez, limite sur de l'or, on va mettre ça. Voilà. Normalement, on va quasi rien prendre, comme d'habitude, parce qu'on est trop fort. Oh là 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 là. Ouais, 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 ouais. Bah là, après, les gars, ça va partir. Oh, le rang 2 qui va partir. Oh, le shield. Oh là 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 là. Tout le plan tombe à l'eau. Mais non. Bah ok, hein, puisque c'est comme ça, nous allons taper in the head. Voilà, et on va se reprotect. Putain, on allait faire un truc de malade et puis il nous a enlevé notre délire. J'en suis fou. J'en suis fou. Bon. Bon, bah... Ok, j'accepte. J'accepte. Mais j'aurais trop voulu vraiment claquer la deuxième, là. Ça aurait été incroyable. Donc voilà, les gars. J'espère que les petits tests sur Sariel vous aura plu. Alors là, c'est vrai que j'aurais pu faire autrement et monter peut-être un peu plus dans le dégât du test. Mais bon, c'est pas grave, je pense que c'était déjà vraiment pas mal. Les seuls vraiment... Enfin, seul personnage qui, je pense, peut être vraiment très chiant, ça va être chiant pour le coup, ça sera Eligod. Eligod qui fait voilà, son petit shield et du coup, bah tu mets
plus de dégâts, vraiment, c'est juste le seul personnage qui fait un peu chier Sariel. Mais pour le reste, en soi, tu te mets grave grave bien. Après voilà, il me faut encore 2-3 petites améliorations sur la teammate. Après, c'est pas la meilleure opti hein, non plus, il y a d'autres teams à jouer, on en testera d'autres. Et Tarmiel, vraiment, qui a prouvé aussi qu'il était assez incroyable. Je suis même étonné de ne pas avoir vu plus de Tarmiel dans le PVP, tout simplement. Parce que le personnage est quand même très puissant. Je pense que beaucoup de sous-estiment Tarmiel actuellement. Mais voilà, sinon pas mal de Sariel malgré tout. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo nucléaire Sariel vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!